Quoi, ne vous en faites pas, je travaille, je suis agent d'entretien. Je dois venir ici, j'ai rendez-vous à monsieur Tonton. Tonton Moussa. Ah ouais, avec qui t'as rendez-vous? Moussa, vous connaissez, celui qui réside dans votre quartier, vous l'avez adopté justement. Attends. Oui, on se connaît. Lève tes mains. Oh, monsieur Gilles, s'il vous plaît. Mon code B, les gars, sur eux. Harry Rosel Fiac. Oui, c'est moi. T'es un homme, t'as 43 ans. Oui, c'est ça, mais monsieur, vous allez. Ne faites pas le mal, s'il vous plaît, je n'ai rien fait. Je veux simplement aller travailler. Je ne vais pas rentrer dans votre quartier, je vous assure. C'est juste au bord. Ouais, tu vas aller où alors? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ah ben voilà, allez, c'est parti, on y va, envoyer du code B. Tu vas où? Je vais rentrer dans cette maison, j'ai un contrat, monsieur, je suis agent d'entretien. Cette maison va être vendue, vous voyez, je dois tout nettoyer. Ouais, mais je vais te surveiller quand même. D'accord, très bien. Vas-y, rentre. Ouvrez-moi la porte, s'il vous plaît. J'ai pas les clés, moi. Tu crois que c'est On m'a dit que le ghetto, c'est dans le ghetto, les gens, ils ont les clés de tous les habitants d'ici. Tu vas tout de suite te calmer. Tu vas baiser Danton. Baiser Danton peut-être. Oui, ça, je sais faire. Baiser ta daronne, oui, ça aussi, je sais le faire. Quoi? Non, c'est pas ce que je voulais dire, excusez-moi. Hey. Non, mais pourquoi vous l'avez tué? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je voulais pas. À quatre pattes, à genoux. Oui, excusez-moi, je pensais que c'était des balles à blanc, je pensais pas que vous étiez des vrais gangsters, désolé. Vous avez la rage? Butez-le, les mecs, butez-le, s'il vous plaît, il y a une arme. Mais me fais pas chier, moi. S'il vous plaît. Allez, chier. Voilà. Chier, bien joué ça, merci monsieur, hein. Bien aimable. Merci. Attends que je me relève. Aïe, 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 aïe. Ah, ma dose de code B, bien joué, gros. Oh, le gars de mon gang là. C'est moi. Viens. Gargamel, prends l'arme. Ouais, admin, est-ce que tu m'entends, admin? Ouais, HRP. Il y a des mecs qui s'amusent à troll, ils free kill. Gargamel. Okay. Ouais, mais mec, Prends l'arme que j'ai sur moi, vite. Mais attends, mais y'a un autre gars à côté de toi. Prends l'arme que j'ai sur moi, vite. Wesh, il se passe quoi, là? Attendez. Qui leur tire dessus? Venez là où je suis. Ouais, admin, vous m'entendez, ouais. Non, ça vient tout juste de commencer, tu vois. Oh, Gargamel. Gargamel. Eh, tu m'entends? Ouais, moi je t'entends. Ouais, je suis en HRP. Bien joué la scène, en fait, frérot. Hein. Bien joué. Mais par contre, ton pote, pourquoi il a un free kill comme ça? Mais attends, comment ça t'es en HRP? Ouais, parce que je suis sur Discord, j'ai parlé à l'admin. Il a dit que la scène est annulée, on va la refaire. C'était très bien joué, hein, le fait... voilà, parce que moi j'avais improvisé un truc. Donc agent d'entretien, etc. Et t'as bien joué ta scène. Ce qui a manqué, ce qui a merdé en fait, c'est ton pote là, il a free kill comme un con. Mais le gars aussi en costard là, j'ai pas compris moi. Je sais pas qui c'est, lui à mon avis t'as dû mal lui parler, ouais, bah, il a mal réagi. Désolé, mais j'ai quitté, t'es dans son groupe en fait. Du coup vous êtes flingués tous les deux parce que j'ai vu que tu commençais à tabasser tout le monde. Mais c'est qui ça? Il y a trois voitures qui sont arrivées. Dégage là, t'es en train de niquer la scène là. Allez casse-toi là, vieille meuf. Comment ça? Non, c'est une meuf, elle reste alors. Je peux vous réassurer si vous voulez. Merci gros. Mais ouais, on va refaire la scène. Par contre, dis à ton pote d'arrêter de free kill là. Ça jouait bien RP là. Ouais. Attends, c'est... Mais toi, t'es qui en fait? Je suis streamer, tu m'as reconnu en plus. On se connaît, mec. Je fais des vidéos sur Twitch. Enfin, je suis en live sur Twitch là. Je peux pas dire mon pseudo. Enfin, juste cherche dans les lives de Twitch, tu verras. Dis à ton pote. Mais oui, je suis en live. Oui, gros, va voir, tu verras. Attends. Merci, Xebovich, pour les 15 mois, c'est gentil, gros. C'est gentil. Ouais, je suis avec un bouffon, là, il sait pas jouer sa scène. Oh, putain. Par contre, la meuf, là, je vais la terminer, hein, la meuf. Hein. Je sais pas ce qu'il sait, ça doit être Amy ou... Hein? Pourquoi tu peux pas dire ton nom? Parce que j'ai pas le droit, les amis m'ont dit que j'ai pas le droit en HRP. Ah ouais? Ouais, parce que ça fait de la pub et tout.
Mais tu vas me reconnaître, Masson, je suis assez connu, j'ai déjà fait des vidéos sur TikTok et tout. Bon. Je te reconnais pas. On va reprendre la scène. Il est où ton copain, là, l'autre merde, là, qui a friqué le cellule, là. Bon, écoute-moi, sale merde, là. Tu peux arrêter, là, je suis en live, là, arrête de friquer, l'idiot, là, on va reprendre la scène. C'est pas moi qui a friqué, là. Bon, la vérité, en ce moment. C'est pas moi, moi, je suis venu juste vous regarder, c'est tout, hein. Il est parti, le mec qui vous a friqué. Comme vous voyez, je suis parti de l'équipe de nettoyage, bout de bout d'entretien. Malheureusement, mon client n'est pas là. En tout cas, merci pour la sécurité de votre quartier. Vous faites des choses bien pour les jeunes. Yalla. C'est pas trop le malin non plus. Bah, pas mal la reprise là, en mode sérieux. T'as géré gros. Ouais, merci, t'inquiète. Ah, okay. Putain, ma voiture, elle est où? Oui, alors désolé, monsieur. Hein, je voulais pas vous offenser en venant ici, mais. Ah, attendez. Ouais, salut admin, ouais. Je suis en live et le problème c'est que je me fais agresser, stalk, c'est casse-couille. Là, il y a son pote à lui, là. Il m'a free kill. Il faut que tu le bannes ou tu mettes un ban d'un jour. Non, hein. Non, mais un deal, juste. Il a pas compris. Bah, alors qu'il vienne ici au moins s'expliquer pour le ticket. Tu peux le ramener ici au moins pour qu'on s'explique. Ah, les gars, venez. Gargamel. Non, c'est Tommy. Viens. Je suis mort. Gargamoule. Ouais, dis-lui de venir. Je crois que c'est Tommy. Il arrive. Mais non, il faut que tu viennes parce qu'il y a un staff là. Ouais, ramène-le s'il te plaît. Et il y avait qui d'autre présent sur la scène? Il demande de TP. Ouais, lui il est un peu. Enfin, je dis pas qu'il est mauvais, quoi, il débute lui là, ce mec là, mais il fait de la merde. Enfin, on est d'accord TP que t'as fait de la merde. 2435. 2435. Ton pote a fait de la merde, mais toi aussi, hein, gros. T'as pas à sortir ton arme directement et me pointer parce que moi je travaille. Je suis agent d'entretien, t'es d'accord? Ouais, je suis inoffensif, t'as pas pointé une arme. On est d'accord, staff? Parce que je suis pas rentré dans leur quartier, on est d'accord? Bah ouais, mais t'es quand même un peu genre bizarre. Hein. Bah non, genre comment t'as fond. Mais oui, tu peux lui dire venir s'il te plaît, ça bug, j'arrive pas à trouver son idée, je sais pas pourquoi. Il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes parce qu'il arrive pas. Mais et gros, je traverse juste la route, mec, et j'ai mis il mes clients. Il est à l'hôpital et tout. Il peut pas. Ça marche à tous les coups, vas-y, putain. Sinon, laisse tomber. Hein. Et il prend pas une sanction celui-là, quoi, alors. Admin, il peut. Alors en gros, lui, il a été direct à très très aggro envers mon personnage. Donc il a pointé l'arme alors que je suis même pas dans son quartier. Et j'ai absolument rien fait, il avait aucune raison de vouloir m'agresser. Et du coup, son pote, il m'a tué, alors je ne sais pas pourquoi. Bah déjà, on va commencer. Pourquoi est-ce que tu as une arme dégainée? Il y a un danger immédiat, là. Oups. Non, mais en vrai... Un peu de respect, s'il te plaît, pour le... Ils font quoi, mais... C'est juste que, genre, en fait, je t'explique, ça fait depuis avant, il y a tout le monde qui vient devant notre quartier, tout le monde qui rentre comme ça, ça commence à casser les couilles, il y a tout le monde qui nous pite, frère. Bah mais c'est pas grave, tu peux arranger les choses autrement qu'avec les armes. Tu sais que quand tu tues des gens comme ça, c'est... Tu vois? Regarde. Ouais, non, mais lui... Non, mais en même temps, c'est RP. Il arrive à... Il peut pas tourner. Il arrive ici, il y a pas de feu rouge, il y a rien. Le non, stop, mais... il est à peine effacé. Non, toi... Non, c'est bon. Mais il a pas le temps de faire son virage. Pour moi, c'est normal. Et en plus, il y a un... On est d'accord, bon, c'est vrai qu'il a pas trop joué son pain, mais... Le pire, c'est que j'ai envie de savoir t'es qui, mais je sais pas t'es qui. Bah tu verras sur Twitch, mais je peux pas le dire parce que devant l'admin il m'a dit qu'on a pas le droit, j'ai pas le droit sinon ça fait considéré comme de la pub. Admin, il peut pas me dire vite fait. Bon, le prochain qui fait du car kill là, je le banne. Ouais, les stalkers, ouais, évitez de car killer, c'est bon, c'est réglé, y'a l'admin qui est là. Bon, du coup, ton pote il va se ramener ou pas parce que j'arrive pas à le TP, je sais pas pourquoi ça bug. Écoute, ce qu'on va faire. On refait la scène, admin, on refait la scène. Ouais, c'est ça, j'allais dire, on va refaire la scène. Ok. Je vais rester en train de spec. Et quand je dirai action, on commencera la scène. Vas-y, action, on commence. Tu peux faire le bruit du tac, tu sais, genre. Ouais, y'a pas de problème. Oui, il va le dire, façon le mot. Vas-y. Donc on attend ton collègue là. Attends, moteur. Mais il faut leur donner une voiture du coup. Reste avec vous. Refais lui spawn une petite voiture comme ça. Ouais, c'est bon, vas-y, je vais dans le parking. Je sais pas pourquoi, mais. Le staff. T'es qui toi? Attends, je vais essayer. Mais. Bon, et tiens ta scène, toi là, vide-moi et tu fais de la merde, je prends mon avis à te bannir. Attends deux secondes. Pourquoi je fais des reports et. Moteur, action! Pourquoi je fais des reports et clôturé, y'a personne qui vient. Silence demandé! Silence demandé sur le plateau, les gars! Putain! Quoi? Silence demandé! Silence demandé, les gars, sur le plateau! L'ennemi m'a lancé l'action, les gars! Ah, ça commence, ok. Attends deux secondes, je dois respecter la scène. Attends, ta gueule. Et on doit rejouer une scène, attends. Ouais, moteur. Allez-y, admin. Ok, moteur. Action.
Ah putain, je rentre. Putain, le client il m'a demandé de venir ici. Ah, enchanté monsieur, qu'est-ce que vous me voulez là? Je viens de garer mon véhicule. J'ai un entretien là, enfin je dois travailler. Oui. Je suis agent d'entretien, je dois faire ménage ici. On m'a donné rendez-vous ici à 19h. Ouais, vous êtes à côté de mon quartier, vous connaissez. Oui, ben j'en ai à secouer monsieur. Vous êtes pas le client, non? Non, arrêtez de parler avec des mots. Mais monsieur, là je vais être en retard en fait, à vrai dire. Là monsieur il m'attend. Je suis à Bitball, donc je vais aller le voir. Moi, c'est Monsieur Boudboul. Qui vous attend? Monsieur quoi? Monsieur Boudboul, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille maintenant. Et quand on parle à une personne, ayez un minimum de politesse. Enlevez votre foulard, hein, espèce de schlag. Le mec en or. Comment ça, espèce de schlag? Comment ça, espèce de schlag? S'il vous plaît, monsieur, je pourrais être votre père. Hein, vous me parlez sur un autre ton. Allez, yalla, laissez-moi aller travailler. Non, il n'y a pas de yalla. Reste là. Monsieur, vous m'importunez. Comme vous le voyez, j'aimerais bien aller travailler. Hein. Je suis agent d'entretien. Non, ça se passe pas comme ça. Eh bien, si, parce que votre quartier de sale pauvre, si là-bas, ici, c'est un autre quartier avec des habitants, des gens qui travaillent. Et d'où vous sortez votre... Oh mon Dieu! Comment ça, quartier de sale pauvre? Hein? Oh mon Dieu! Vous avez une arme? L'arme, elle coûte 10 fois ton salaire. 10 fois ton salaire pendant 10 ans. S'il vous plaît, je vous... C'est bon maintenant? Je vous fais aucun mal, s'il vous plaît, laissez-moi aller travailler. Je suis un honnête citoyen, j'ai une femme, des enfants. Non, tu parles mal, tu parles trop mal. Tu parles trop mal pour que je te laisse partir. S'il vous plaît. Continue. Tu parles trop mal. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Il y a des sanctions qui vont être prises. Vous n'êtes même pas le chef de votre banque, votre gang. Je sais pas, appelez-moi le chef, appelez-moi le responsable. Alors, le chef n'est pas là. Ouais, allez voir ailleurs si j'y suis, s'il vous plaît. Ah ouais, je vais voir ailleurs si tu y es. Ah ouais. Je voulais juste un McMorning. Ouais. Sûr. S'il vous plaît, laissez-moi. Je dois gagner ma croûte, s'il vous plaît. Non, vous n'avez pas à faire ça, je n'ai rien fait. Non, ça va pas se passer comme ça, en fait. Pause. Déroche, ouais, pause. Couper. Non, ça va pas. Il y a un faux raccord. Faux raccord, t'avais une arme automatique dans la main, et là, d'un coup, tu sors un revolver. Non, ça, j'en peux pas. Vas-y. Non, mais pourquoi tu fais de la merde? T'as pas besoin de jouer avec ton arme, gros. Essaie d'être charismatique. Je sais que ta voix elle est claquée, hein, mais essaie d'être charismatique un minimum en ayant au moins le dialogue qui va avec, idiot. Putain, c'est dingue ça. Comment ça, je suis pas capable. Ok, maintenant tu. Allez, chef, c'est tout ce que tu mérites, gros. Tu sais pas tenir une scène, c'est dingue. T'es mauvais, t'es archi mauvais, gros. Devant l'admin, tu rates tout. Mais. Comment ça, mais. Apprends des meilleurs, mec. Suis mes lives. Voilà, y'a que ça que tu sais. Voilà, y'a que ça de bien que tu sais faire le. Putain, y'a un mec qui est morte là. Merde, le casque qui a tué l'admin. Ah, l'admin il a DTP. Bon, apparemment, tu vois, il s'est barré. Parce que t'es mauvais. Ouais. Mais. Non, alors là. Bien joué, les ultras. Bien joué. Allez-y, envoyez. Go car kill ça, les gars. Oh, joli c'est là. Magnifique, les mecs. Encore? Envoyez une sauce, envoyez une. Dommage. Allez, au suivant, les gars. Prochaine ultra. Non, c'est un vrai admin, les gars. Il va revenir. Mais par contre, rejoue bien la scène. Il est mort, le mec? Bon, je sais pour sa gueule. Il est mort. Ouais, je vais lui prendre son arme, les gars. Je vais lui prendre son arme. Comme ça, au moins. On est tranquille et on viendra plus faire des scènes de merde. Admin, est-ce que je pisse sur son cadavre pour montrer vraiment que j'ai bien dominé son RP? Putain, mais qu'est-ce que t'es mauvais en plus, admin, t'as demandé de rejouer la scène, t'as été encore plus nul. C'est ouf. Je sais pas s'il va te revive, hein. Renvoyez. Elle fout quoi cette meuf là, cette starbée là? Dégagez, elle a rien à voir dans la scène. Allez, vieille meuf là, dégage. Et comment tu parles, toi? Mais je te jure, gros, on était sur une scène, l'admin nous a demandé de rejouer, elle était pas là. Elle, ça va faire un fort rapport. Elle était avec moi je viens de demander. Attends, elle a dit quoi? Tu vas défoncer qui en RP? Tu vas défoncer qui? Sans arme, hein. Je te rebouffe en RP, tu vas voir. Revive là, je vais la bouffer en RP, les mecs. Et oh, les gars, vous faites faire, quoi, putain? C'est la meuf de qui? C'est la meuf de qui sur Discord? C'est la meuf de personne. Vous donc j'ai le droit de la terminer. Ta femme, là. Les gars, non, mais regarde vous faites comment il m'a insulté. T'as vu comment il m'a insulté? Tu comptes sur des simples pour te défendre? T'as pas de bouche? Les gars, vous faites une bouche, quoi? Ça ne sert pas qu'à sucer. Vas-y, ferme ta gueule, voilà, c'est trolleur de merde. Ferme ta gueule.
Ferme ta gueule. Pourquoi là vous faites ça là, niquer les gens là, c'est pas bien. Allez. Là, tu es là comme ça, tu es vraiment en roue libre. Je crois que je vais pas me contrôler, putain, merde. Excusez-moi, j'en sais rien. Mais toi, c'est ta gueule, là. C'est une pute, là. Voilà, vous pouvez tout du cul, là. C'est mauvais. Vas-y, frère, tu te coupes sur les autres. Oh non, il a tué Bamba, les gars. Oh non, quelle erreur. Ruinez-moi tout ça, les gars. Elle se relève jamais. On tombe cette fois, ça se relève jamais. Ça ne se relève jamais. Eh, collègue. Merci, Astraios. Elle est sérieuse, la meuf, là. La meuf, elle ne se relève jamais, elle est sérieuse là. Elle a vraiment cru sur ses seins pour la défendre. Il y en a des trollers ce soir, hein. C'est grave. Ouais, admin, cher P, y a un gars qui m'a free kill alors que je joue RP depuis tout à l'heure. En plus, je suis en live Twitch. Il parle de free kill. Mais gros, tu free kill, mec, alors que je suis en RP avec la meuf en fait. Mais t'es pas son mec en fait. Laisse la meuf, elle a une bouche, elle s'est servir. Ferme-la, t'es un mytho. Mais gros, t'as zéro répartie, je t'ai bouffé en RP, t'es obligé de me free kill. Parle pas comme ça. J'ai le droit, l'admin est là de toute façon, il va regarder, il va venir. T'as pas d'admin. Tu viens quand Viens, reviens, Tommy, s'il te plaît. Reviens, dis calme-le. Comment là? Putain, réanime là. On remet une balle derrière, nous. Vas-y, c'est pas grave, t'inquiète. Y'a que l'admin. Ouais, réanime, s'il te plaît, parce que je dois finir la scène. Parce que nous, après, on se fait tuer en l'air. S'il te plaît, on se fait tirer dessus gratuitement parce qu'il y a une fille qui insulte gratuitement. Bah, on est d'accord que la fille elle a fait n'importe quoi en RP, elle insulte. Mais c'est n'importe quoi. Oh, il est beau, c'est un peu raciste. Alors là, c'est grave. Bah on va sur Discord, non, mais attends, arrête, si c'est pour m'insulter de négro, c'est ça, et ça fait pitié quoi. Alors là c'est grave. Le mythomane de level 6, hein. Là c'est grave. Hein. Merci, merci. Moi, je le MS, si, voilà, je suis plaisir, là, voilà, merci. Ah ouais, d'accord, t'entends des trucs toi, t'es wow. Le MS, c'est là moi avec le t-shirt bleu, ouais, je suis streamer, hein. S'il te plaît, merci. C'est grave ça. Hein. Il est tarpin fou, mais attends, mais je suis. Attends, heureusement qu'on a un MS, merci. S'il te plaît, revivez-moi et. Elle ouais, est merci. Balasse. Je faites une scène propre pour moi, je sais pas. Attends, je vais terminer la scène avec la meuf. Gérer votre quartier un peu parce qu'il y a des il est malade. Attends, t'inquiète pas, dès que je revive, on va prendre la scène là. Depuis tout à l'heure, c'est comme ça, je peux pas, on est deux. Vous pouvez revive le mec là par terre aussi, s'il vous plaît. Ouais, merci, MS. Ouais, t'es en train de me porter, ouais, c'est moi le streamer. Il y a un mec, il m'écrase en voiture et on me dit ouais. Mais c'est normal, tu sers à rien en fait. Tu vois, ils savent pas doser les gens ici. Mais ils sont fous. Mais ton meilleur rôle c'est prostitou sur le serveur, donc ferme-la au bout d'un moment, c'est chiant. Arrête, t'es ridicule la grognasse. Ça saurait si tu savais jouer RP. Allez, on reprend la scène la meuf. Okay. Bon, mademoiselle, excusez-moi, oui, en train de dandiner devant moi. Bon, attendez les gars, attendez, vas-y, je peux m'expliquer, j'étais là au tout début. Vas-y, ah c'est bon, il y a l'admin. Hein. Attends, tu peux arriver. Il est malade. Ils sont complètement teubés en fait. Non mais de toute façon je suis en live les gars, j'ai les rushs, la meuf aussi elle a fait de la merde. Vas-y, sors-moi ton rush. Je suis en stream en fait, je suis sur Twitch, donc à partir de là tout le monde se rend compte que t'as un RP de merde. Donc mais toi t'as un RP frérot, t'es un perdu. C'est normal, je bouffe tout le monde, c'est parce que j'ai plus d'expérience que vous, c'est normal. T'insultes une meuf. Oh le chevalier blanc là, ferme ta gueule là. T'as un problème d'ego, c'est comment? J'ai pas un problème d'ego, c'est elle qui a de l'ego. Ton RP il est éclaté frère, ton RP. Comment ça il est éclaté? T'as même pas vu mon RP, tu viens de débarquer. Parle pas avec moi. Bon allez, moteur, action, je vais te bouffer en RP, tu vas voir. Allez, dégage. Bon écoute-moi la vérité, bon écoute-moi la coin de ta rage. Tu sais à qui tu parles? Je suis cher. Je vais t'arracher le crâne. Tu vas rien faire. Allez, prends ton képi, prends ton espèce de béret à la con, mets de la merde dessus et là, fais le visage, la con de ta race. Allez. Il rend fou. Papillon. Putain, c'est dingue ça. On peut même pas jouer RP quand on joue, hein. Papillon. Ouais. Tu peux venir deux ans, s'il te plaît. Vas-y. Putain, je suis en live, je me fais harceler par une meuf en live et un con. Un connard avec un chien. C'est une meuf, frère. Mais je t'ai harcelé quand en fait? Arrêtez, elle a harcelé le mec, le streamer, vous êtes des menteurs, je suis témoin. Vous m'harcelez depuis tout à l'heure sur mes scènes parce que vous voulez passer sur mon stream. Cassez-vous! Moi aussi je suis témoin. Cassez-vous, sérieux? Qui stream? Je te connais même pas. Les témoins, vas-y. Mais d'ailleurs, c'est qui lui? C'est qui lui? C'est quel streamer? Mais j'en sais rien, il est inconnu au bataillon. Mais je sais pas, moi je le connais pas. C'est un vieux crouton, frère, il est perdu dans le game. Arrêtez les mecs, ça se voit. Vas-y, tout doux par stream, c'est ridicule. Voilà, si vous voulez faire des clips. Merci de me défendre, les gars. Si vous voulez faire des clips, faites-le, mais. On est là pour vous donner des scènes. J'ai pas besoin de toi pour être connu, frérot. Avec ton béret, t'as aucun jeu. Mais regarde, mec, t'as tué plus le seum, allez, dégage. T'es obligé de venir sur mon live, passer sur mon stream pour j'ai avoir. J'ai même pas ton live! Mais t'es en train de me stalk, mec! T'étais même pas là sur le début de la scène! T'as remonté! Il a remonté, les mecs! Tu veux défendre la meuf parce que t'es un putain de saint, parce que t'as pas de meuf dans la vraie vie! Mais qu'est-ce que tu fais? J'en ai sûrement plus que toi déjà! Ça y est, il a connu une meuf sur Discord, voilà, qui fait un peu de RP, il a essayé de sympathiser avec elle, il va voir son Insta. On connaît la suite, on ferme la scène et voilà, c'est tout, frère! Ça en plus, ça se voit. Mais il est en amarre routière, il ouvre sa gueule, vas-y! Oh là 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 là! Cassos, mais des cassos.
Papillon, papillon. Bon, allez, moi je reprends la scène solo là-bas. La meuf, si t'as envie que je te termine en RP, vas-y, viens, je te bouffe. Non, mais toi, t'es un gros malade. Hein. Ouais, je t'ai appelé, ça va? Mais t'as zéro répartie, c'est dingue, hein. C'est dingue, hein. Vraiment, hein. C'est ça ouf. Va, ça va, elle vient sur mes scènes, l'autre aussi vient me harceler sur mes scènes parce que mais je suis en live. Scène, c'est on dingue. M'a écrasé. Tout ça, c'est pourquoi je vais être sur mon TikTok en fait. Attends, c'est une de ces meufs qui me DM sur TikTok. Vas-y. Je traîne pas avec des meufs de 16 ans. C'est une de ces meufs de 16 ans qui m'envoie ses nudes. Vas-y, moi je m'en bats les couilles. Vas-y, cassez-vous. Laissez-moi ma scène. Mais wesh, dis pas ça, frère. T'arrêtes de frapper. Vas-y, viens, on refait la scène. Reviens, frérot, quoi, la scène. C'est une dinguerie. Mais frère, c'est allez, pas... moteur, action, allez, c'est parti. Bon, monsieur, oh, j'ai tout règle, je suis mort de rire. Je voulais savoir, monsieur, quand est-ce que l'équipe de nettoyage va débarquer? Parce que là, c'est ni fait ni à faire, il faut ramasser les poubelles, voyons. C'est ça sent mauvais. C'est pas vous l'équipe de nettoyage? Justement, mais moi, c'est du travail manuel, de précision. Il nous faut amener tout un régiment, là. C'est ni fait ni à faire, ça sent mauvais. Même vous, vous sentez mauvais, yalla. Quoi? Bah oui. Vous êtes sûr, là? Ah bah oui. Ah ouais. Bah oui, j'ai entendu parler d'un gars qui est très très connu qui vient d'arriver dans cette ville. Il y a des gens qui essayent de voir l'importuner en venant autour de lui pour passer à la télé. Est-ce que vous avez entendu cette personne? Qui est cette personne? Je ne sais pas. Cette personne a l'air d'être très connue, hein, au point de de susciter au point l'attention, de la connais pas, vous voyez. Au point de moi, je la connais pas. La demoiselle, vous la connaissez avec son espèce de petit chevalier blanc. Est-ce que vous la connaissez, s'il vous plaît? Ouais, elle s'appelle Emma. D'accord, Emma, est-ce que ça c'est possible si, moyennant bien sûr un financement, vous lui mettez une balle dans la tête? Ou dans le boule? Frontalisé, oui, effectivement. Dans le boule, ok. Vas-y, allez-y. Oui, oh, oui, ça va être très drôle, ça. Vous allez voir, chers viewers. Il va lui mettre une balle dans le boule. Mais non! Dans le boule, ok. Ah bah, bien joué, c'est très bien, non, c'est du travail. Ça me tire dessus. Il a terminé couché. C'était une caméra cachée, let's go! Pourquoi t'as tué la meuf? C'était une caméra cachée. Wesh. Ah bah voilà, c'est bien ce que tu méritais. Voilà, la prochaine fois, tu fermeras ta gueule, hein. Ah là, mais ça va, décalé. Non, c'est RP, les gars, vous en faites pas. C'est bon, ça va, allez. Arrête de me toucher, toi. On rigole, arrêtez de faire les malins maintenant. Arrête de frapper là! Tu sais ce que tu fais là? Arrête de frapper là! Pardon, tu n'as aucune dignité! Non, mais elle a juste qu'elle mérite, de toute façon, ça saurait si, hein! Elle reste là comme pas, une plante! Je t'ai vu, tu tires pas! Allez, on continue! Bien joué, bien joué! Est-ce que t'as foutu un bout? T'as foutu un smud? Ah, c'est très. Dépose-le, frère! Qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est bon, vous en faites pas, on va refaire la scène! Hein, quoi? Prends l'onde tâche, frère! En tout cas, merci! Merci, hein merci, je me mets à genoux, merci, vous êtes vraiment quelqu'un d'extraordinaire, monsieur, hein. J'espère que vous serez bientôt le chef de gang. Oui, volontiers, une petite léchouille. Allez-y. Oh non. Ça va voilà, excès de gise. Maintenant, mets une petite plus ballonnette dans les fesses. Hein, j'ai bien aimé. Ah ouais? Oui. Toi, tu veux que je te mette une cartouche, peut-être? Non, mettez-lui une cartouche à celui qui a le béret. Il est où, celui qui a le béret? Béret. Attends, il est où? Je vais me faire ban, moi, à la fin. Mais non, t'inquiète pas, il tourne à la bonne, vas-y. On met une cartouche. Mais il est où, le béret? Il n'y a plus de béret. Tu penses qu'ils vont te griller si tu remets une cartouche à la meuf? Bah, je pense, hein. Comme ça, serait drôle, quand même. Ça serait vraiment drôle. Allez, vas-y, elle toute seule, isolée. Ah. Ah, merde. Je crois que je suis mort. Mais oui, je crois bien, oui. Bon, attends, on va t'aider. Merde, on a raté le boule, là. Je crois que ça a visé mon boule, là. Je crois bien, oui. Bon, de toute façon, il va faire un ticket, ne vous en faites pas, il va se relever. Putain. Bon, méga code B là-bas, là, gars. Je regarde. Bon, je go, Audi, j'ai trouvé un serveur où j'ai pu mettre mon mode, je le garde de côté. Ah, ça, c'est une bonne chose, ça. Merci, Calu, hein. Merci beaucoup en tout cas pour le don une nouvelle fois, t'as régalé. Ça marchera, j'en ai aucun doute. Nous n'avons pas l'expérience pour frapper déjà la chute. Là. C'est pas oui, je sais, vous en faites pas. On redemande un petit code, comme vous savez, hein, un petit code. Là-bas, c'est bien réuni, comme des belles quilles. Vous pouvez vous faire plaisir. Malheureusement, nous ne pouvons pas frapper là, il faut avoir de l'expérience dans cette ville. Bah, vous prenez avec. Mais non, c'est ce qu'il fait. Mais non. Le cul est encore compliqué. Comment faire? Fais clic droit, il y a plus sur A. Ah oui, ça marche. Excusez-moi, désolé. C'est mon frère. Je suis pas ton frère.
Donnez le signal là, c'est bien. Clic droit. Les ultras. Les ultras, appuyez, clic droit. Clic droit et appuyez sur 1. Ok, ça marche. Et tabassez-les, les gars. Clic droit, appuyez sur 1, les gars. Allez-y, à foison. Je veux que ce soit un vrai bordel là-bas. Go vous fight. Allez-y, vous avez l'astuce, allez vous battre. Bismillah. Vas-y, c'est moi en fait, toi tu demandes juste à tes viewers en fait, t'es un casse-couille toi, tu viens juste pour troll, vas-y, t'es juste chiant en fait comme mec. Non, pas du tout. Ça partait en baston, rien. Vas-y, tu te crois drôle en plus frère, t'es pas marrant frère, reprends ta vie en main. T'es qui toi, Nicole, t'es qui mec, reviens ici. Ramène les MS sur toi, un peu. Oui, ramène les MS. Mon frère, je ramène ça pour toi. Oh le glitch! La patelle, là. Faut sauver ça là. T'inquiète. Ah, par contre, j'ai kiffé ta voix, frère. Ah, merci, c'est gentil. Wesh. J'ai l'expérience du RP, ça fait déjà quelques années. J'aime bien ce serveur, hein, mais vous êtes très actifs, les EMS, c'est gentil. Je crois que tu kiffes ma voix, pas toi, hein? Nom du cerf, j'ai déjà spilé, les gars. On va vous le redonner. Merci, ouais, je me suis fait friki. Bon, ben, banni définitivement. Let's go. Écoute-moi là, pourquoi tu me kills là depuis tout à l'heure? Oh, moi je t'ai tué. Ah, ok, c'est ton collègue là, il est chiant celui qui a la casquette là à l'envers. Attends, viens voir me parler tout le temps. Viens s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il veut ce mec? Putain, c'est dingue ça. Ouais, je vais conclure, hein. Je vais changer de personnage parce que là il faut que je passe mon père. Est-ce que t'es complice du truc? Non, pas du tout moi, j'ai joué la première scène avec le mec en violet. Ouais, et en fait l'admin nous a demandé de la refaire la scène. Tu fais des lives ou quoi, non? Ouais, je sais rien, mais je peux pas le dire, il m'a dit de pas le dire parce que sinon. Ouais, mais je connais ta voix. Mais en fait, là, le problème, tu me dis quelque chose. Mais tu mets combien de temps là sur OBS en moins là? C'est pas possible, ils sont arrivés d'un coup en fait. Écoute-moi, le problème c'est que toi t'es trop agressif dans ton RP. Il faut vraiment que tu lâches du lest. Tu comprends? Ah, mais gros, quand t'étais là-bas, en fait, au début, tu sais, moi j'ai cru que t'étais. Vas-y, t'étais sans perche, je te connais pas. Il y a un autre gars qui est arrivé, je pensais que t'étais un test stalker. Ouais, je vous ai dit, les gars. Et du coup, il sort. Ouais, il a commencé à tabasser tout le monde. Du coup, moi je vous ai buté tous les deux. J'ai pas le droit de le dire, les amis m'ont dit d'arrêter de le dire. Papillon 1, il a le droit de le dire. Non, j'ai le Fonda qui m'a demandé d'arrêter parce que ça faisait de la pub. Mais je connais même pas le Fonda. Et ça ramenait des stalkers. Je connais pas, vas-y, dis qui t'es. C'est toi qui les ramènes, des stalkers. T'en es même pas carrément. Oh, vas-y, dis-le. C'est du harcèlement, les gars. Et je crois que c'est du harcèlement, c'est toi qui viens de la merde. Dis le blague. J'ai pas foutu la merde, les mecs. Je vous ai dit, en fait, en arrivant, j'ai fait un ticket en disant aux admins. Les gars, restez près de moi, il se peut qu'il y ait des stalkers, des petites brebis égarées qui viennent. Ah ouais, on a bien vu ça, hein, quand il y a 10 voitures qui sont arrivées, ouais, on a bien vu ça. Hein. J'ai fait ma scène avec le noir, là, le violet, là, celui qui a le bandeau. Comment ça, le noir? Ah ouais, oui, attends. Et maintenant, tu vas m'expliquer. Mais je suis moi-même noir, les gars, donc tranquille, de toute façon, vous allez apprendre à me connaître mon stream, donc vous allez voir. Donc j'ai le droit. Mais t'es qui? Celui qui se fait passer pour un papillon. Donc, c'est passé par un papillon en jaune. Donc la scène, on l'a refaite avec le Renoir, très bon d'ailleurs, lui, il joue bien. Il t'a dit de refaire la scène. Ce qui nous a saoulé, c'est la demoiselle qui n'a absolument rien à faire. Elle reste là comme une plante, comme une PNJ. Mais on va tuer. Oui, mais même si on te tue, quand tu trouves qu'on te revive, éloigne-toi. Parce que moi j'ai l'impression que c'est une stalker. Je vois pas que j'étais en train de l'éloigner. T'es là, tu l'insultes, elle est comme moi, frère. Tu crois que je pensais que c'était une de ces meufs là qui arrête pas de me stalker et elle vient tout le temps sur tous les lives. Sur tous les serveurs, elle vient. Mais gros, c'est pas elle. Mais vous, vous me connaissez, les gars, c'est sûr et certain. J'ai déjà entendu sa voix. Mais oui, sur TikTok, en même temps. Dis ton nom, alors. Je ne peux pas, les gars. Le Fonda m'a dit d'arrêter de le faire la pub. Mais on sent pas les couilles du Fonda. Dis-le une fois. Le Fonda, il est jamais actif. Bon, si je vous donne un indice, je suis un cousin de Master Snaku. Ouais, d'accord, allez, c'est bon, allez. Vous verrez, les gars, il y a un gars qui va balancer certainement sur votre Discord. Allô. Et puis... Et c'est qui le gars qui était en jaune moto là, qui s'est passé pour un admin aussi? Je sais pas, je crois que c'est pas un admin. T'es en live sur TikTok là? Ah ouais, d'accord, on s'est fait niquer. Ouais, désolé, apparemment le mec n'est même pas un admin, il nous a niqué. T'es en live sur TikTok là? On a tous cru alors, pas du tout. Ouais, TikTok et Twitch là. C'est quoi? Ouais, désolé demoiselle, je sais pas qui t'es, meuf, t'es Emma, c'est ça? Bon, on apprendra à sympathiser toi et moi. On s'ajoutera sur Discord, je m'excuserai. C'est un malade. Tu pètes les couilles, elle m'a pris une question. Ouais, les gars, la fille elle est cool finalement. Je vais la DM sur Discord et on va s'entendre. Quel malade, mais quel malade. Ouais, je mets en plein. Vas-y, ramène-toi. Bah, les gars, y a pas d'âge pour sympathiser, enfin, je sais pas. Oui, d'accord. Ouais.
Hein, qui fait plutôt haché pour ton âge. Et alors, mec, et j'approche ça sur le gars, c'est professionnel. Allô, les mecs, elle peut me servir sur une scène, les gars, tranquille. Arrêtez d'imaginer n'importe quoi. Oui. Ah ouais, donc, t'es un peu énervé. À chaque fois, tu me tues, le mec à la casquette à l'envers, là. Tu vois du potentiel. Suspense. Je suis Riri. Tommy, t'es sérieux à me bannir là? Ah, putain, c'était pas mal. Allez, au suivant. C'est les Overbuzz. Ouais, bah, qu'est-ce que je vous dis, on va changer de serveur. Ouais, faut croire, hein. Encore un compteur de ban. J'avoue, un compteur de ban. On essaie de. Bon, GG les ultras, dommage, hein. Pas mal, les. Il y a eu un karki qui était vraiment magnifique. Par contre, le plus mauvais bouffe, c'est le mec, hein. Le mec avec qui je fais du RP, le gars qui kill la meuf. C'était énorme. Le gars, je lui demande, remets-lui une cartouche. Il était prêt à le faire, il se fait buter. T'imagines? Il lui remet une autre cartouche. La pauvre, je sais pas si un jour tu tomberas sur ce live, j'ai absolument rien contre toi, mais c'était tellement drôle. Putain, magnifique. Non mais magnifique. À ce niveau-là, c'est du grand art. Faut dire les choses, les mecs. Bravo, hein, mec. Peut-être qu'un jour, ils sortent. Enfin, en général, les gars, ils apprennent au bout de quelques heures, il y a des gens qui ont balance. T'as une crotte de nez? Ah ouais? Pardon. Excusez-moi. Tiens, des crottes de nez, Riri. Qu'est-ce que tu nous fais, Riri, là? Allez, on va aller tester un autre serre. Chez Brian. Là, j'ai du mal à trouver ma crotte, ouais. Excuse-moi. J'avais pas le retour, en fait. J'aurais dû utiliser mon téléphone. Y'a pas d'eau, là? Ah, si, y'a de l'eau encore. Faut que j'achète un. Putain, je voulais aller sur Flashland. J'y retournerai avec un autre compte, les mecs. Hein. Regardez ce que ça m'a mis. Pourtant, j'ai pas l'impression qu'on est troll là-bas, non? Si? C'est quoi cette histoire? C'est un drama? Béliaroth, il a le certifié. C'est qui? C'est un mec connu? Retourne te faire balayer par GMT. Béliaroth, c'est un mec qui sait. C'est qui? Tu connais GMT? Tu peux me mettre en contact avec lui? Je rêve de faire du RP, c'est le mec, je trouve que c'est le mec le plus beau Ego RP de tous les temps. Et vraiment, pour moi, c'est un artiste de l'ego. Oh, s'il me met en. T'imagines, GMT le retour, il va me revoir comme à l'époque sur Flashland, il va péter un câble. Ramène GMT, nous on veut GMT sur le live de la vérité. Non, c'est vraiment, tu le connais, les gars. Mais ils se sont connus en vrai, il l'a balayé. Comment c'est à dire? Expliquez-moi, les gars. C'est un mec qui utilisait des binds de toi pour troll sur Discord. C'est un troller sur GME. Il joue sur un truc qui s'appelle Kiki RP No Prank. Ok, bon. Mais tu le connais personnellement parce que. Attends, Kiki RP. Kiki RP, parce que si. Attends. Ah ouais! Et attends, il y a vraiment le serveur. Il est sur serveur? Oh, cesse! Tu sais ce qui nous reste à faire? Go me whitelist là-bas, les gars. Mais attends, il y a deux personnes sur 228. Il est mort le serveur, non? Ah, dommage. Ah, dommage. Kiki RP. Kiki RP.
Ah putain, vous savez pas celui sur quel serveur les gars, GMT. La seule fois où on a été avec lui, c'était sur... au coup, tu peux me rejoindre, normalement le serveur il a popé. Il a popé normalement le serveur. Tu l'as mis sur TeamSpeak ? Mirano. Ne venez pas à Kharkiv les gars, attendez mon signal s'il vous plaît les gars, encore une fois. Je sais pas, Pextro, pas, j'ai pas l'impression, non, d'avoir trop mis en ego, non, vite paf, hein. À part le mec... Ah oui, le Lego, ah oui, Lego, oui, au final, c'est full Lego quand le mec te banne, c'est qu'il a plus d'arguments, quoi. Il est sur Kiki, mais pas sur celui que t'as vu avant, ok. Ok, ok. Le bof. Oh, je déteste les mecs qui défendent à chaque fois qu'ils parlent pour les autres, je déteste ça. Tout à l'heure, c'était pareil, là, quand j'ai regardé TPMP, Ruquier qui parlait à la place de Bigard, quoi. Ouais, c'est mon ami, je comprends pas, je lui ai donné des conseils de pas faire un spectacle avec du donné. Quel connard, ce mec. Je peux pas le blairer, les gars, désolé, je suis en égo. Ouais. Juste avant le live, non, je regarde quasiment plus, mais j'étais tombé dessus. Bon, on se connaît. T'as perdu un pari. Non, je regarde quasiment plus, mais je t'ai tombé là-dessus. Je regarde quand c'est quand il parle de Dieudo, je regarde souvent. Ouais. J'ai vu qu'il allait parler de Dieudo, donc j'ai regardé instant. Putain, pourquoi j'arrive pas à disconnect? Ah, c'est slash disconnect, slash quit peut-être. Mais Cyril, je connais, ça fait plus de 20 ans. On se connaît, Cyril et moi. Ouais. Je l'ai connu sur Comédie à l'époque, il était stagiaire là-bas. On l'a connu sur Comédie avec Doudou, ouais. Allez, Roland Ruquier, j'en peux plus, quoi. C'est vraiment une pure. Hein. C'est vraiment une pure. Hein. Il est parti foutre la pression, ouais. Et il est parti ressortir. Ouais, Dieudonné, il a fait un spectacle, il a fait monter sur scène, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il a fait monter Florisson. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il est parti ressortir ça, mais vraiment un idiot, quoi. Bah ouais, ouais, après... Mais je trouve que la meuf, elle l'a terminé, la productrice, là. Elle l'a terminé, elle l'a bouffé, hein, vraiment. Ce qu'ils font, les admins, tu peux... Mais le spectacle, il va se faire, je sais pas, moi, les gars. La productrice, elle dit que... Qui s'est chié dessus finalement, il veut pas y aller. Je sais pas, les gars. Je sais pas si le spectacle va avoir lieu, mais je sais qu'il y a des places qui ont été vendues et les gens ils attendent de voir ça, tu vois. Peut-être qu'au final, il. Bah là, il s'est chié dessus. Il a tweeté qu'il voulait pas le faire finalement. Il a cédé à la pression, mais peut-être que comme il a besoin de thunes, je sais pas. Pourtant, pour ses, ne serait-ce que pour ses spectateurs, les mecs qui le suivent, il aurait dû le faire, tu vois. Bon, on verra. Bah, je lui en veux aussi, Yannina. Yannina, il fait pas monter. Il se chie dessus. Ils ont une haine, ils sont en égo RP alors qu'ils devraient pas, tu vois. C'est vrai qu'il veut pas faire venir Dieudonné. Ouais, c'était trop marrant comment elle chiait sur Bigard. Mais elle disait les termes, c'est ça qui était bien. C'est qu'elle était pas en full défense. Elle disait vraiment ce qui se passait, quoi, en coulisses. Et ça, j'ai kiffé. Pour une fois. Ah, j'ai un perso dessus. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites monsieur, s'il vous plaît? Oui. Voleur. Je t'emmerde. M'en bats les couilles, elle est morte. Oui. Et pourquoi vous m'agressez monsieur? Pourquoi vous m'agressez? Ta gueule. Je vais vous dire monsieur. Je vais vous dire monsieur le président. Attends, c'est qui ce pige? Les gars, ce pige là? Descends, je te donne 100 000 euros. Vous allez me donner 100 000 euros, mais monsieur, vous m'avez agressé juste un instant, vous n'allez pas me donner 100 000 non, euros. Non, mais c'était une blague. Si, descends, mais vous, monsieur, vous en prenez gratuitement une personne plus âgée que vous pensez vraiment que... Mais descends. Bon, je te parle à Sherpay, je l'appelle les admins, mec. Pourquoi tu friquilles comme ça, espèce de connard de pige? Ça se fait pas, les insultes. Bah si, ça se fait. Tu es le légat, tu es le... Et admin? Ouais, je suis admin, ouais. Je suis en train de tester des fonctions sur le serveur.
Par contre, refais pas de la merde comme ça, gros. Et ton RP, il est à chier. Tant ta voix, elle va pas du tout avec le personnage. Enlève ton turban, là. C'est de la merde. Et essaie de jouer des scènes. On essaie d'avoir des joueurs, des vrais rôlistes. J'arrive pas à enlever mon turban, mon truc. Si, enlève, là, putain. Si. Et un personnage, c'est quoi le prénom de ton perso, là? C'est de la merde. Si. Je connais tous mon perso. Raconte-moi ton background, je vais juste voir un petit peu si t'as un peu de niveau en RP. Comment ça, mon background? Qu'est-ce que ton perso fait ici? Comment il a commencé sa vie? Comment il a gagné sa thune? Est-ce qu'il a des maladies? Bon, trop de pression. Bon, vous me le tuez, les gars. Vous me le tuez. Par contre, attends, puisque tu fais des fonctions sur le serveur, c'est normal que les voitures, ils buguent comme ça? Et c'est normal que tu ne fais pas tes quêtes de vacances et tu t'occupes pas de ta rentrée, sale pige. Putain, c'est dingue, ça. Des gamins, c'est dingue. Bon, ramenez-moi un véhicule, les mecs. Ramenez-moi un véhicule. T'es où que vous, là? Je suis rentré à son perso, j'arrive. Ouais, expéditif, hein, les gars. Yes.